Konnichiwa, minasan, je suis Shin Bubblegum et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une Pokébox. Et oui, une Pokébox, et pas n'importe laquelle, c'est celle de Mewtwo. Une Pokébox que j'attendais depuis longtemps. Voilà un petit peu les côtés. Donc il y a le Machopper, ou Macogneur, je sais plus, je crois que c'est le Macogneur. Macogneur, donc Léviator Shiny, parce que le Shiny il est rouge. Et le Mewtwo, voici le dessus, le dessous, et voilà. Les trois Pokébox sont les mêmes, sauf que le couvercle est différent. Dans cette box, il y a une petite carte promo de Mewtwo, enfin du Pokémon associé au couvercle. Et donc voilà. Pour tout vous dire, j'ai pris deux Pokébox, mais je ne vais en ouvrir qu'une seule. J'ai longtemps hésité laquelle je vais ouvrir, et j'ai décidé d'ouvrir celle-là. Ce serait dommage en fait que dans l'autre il y a une ultra dans les boosters et pas dans celle-ci, mais bon, ce serait dommage, mais tant pis. On va ouvrir donc celle-là. Alors, hop, c'est parti les gens, on ouvre ça ensemble. Là. Et donc voilà cette belle boîte. Avec le relief sur l'image, vraiment joli. Alors on va l'ouvrir maintenant ensemble. Voilà. Donc il y a dans chaque Pokébox, il y a 4 boosters et une carte promo. Et allez, voici donc la carte promo que je vais donc tout de suite mettre sous protège-carte. Donc derrière il y a un code que je vais garder. Hop, voilà. Alors, une protège carte. Allez, trouvé. Voilà, bien sûr la carte Mewtwo dans le protège carte Mewtwo. Hop, voilà. Et voilà, c'est une très jolie carte. Waouh, vachement jolie. Ah, j'ai un coup de cœur pour celle-là. Il nous sourit, on le voit pas souvent sourire ce Pokémon. Voilà, vraiment joli. Vraiment très joli. Alors, dans la boîte, il y a un booster Mega Latios de ciel rugissant. Un booster Amphinobi Turbo de Rupture Turbo. Un autre booster Rupture Turbo, c'est le Mega Scizaiox. Et encore un autre Mega Scizaiox, voilà. Vu que le Mega Scizaiox est mon illustration préférée de la série Rupture Turbo, je suis contente d'en avoir deux. Donc voilà. Je propose alors qu'on fasse dans cet ordre-là. Donc d'abord le Mega Latios ou Latias. Je ne sais jamais les différencier ces deux-là. Voilà, donc le Mega Latios, puis l'Amphinobi et puis les deux Mega Scizaiox. Là, je vais me débarrasser de tout ça. Voilà, ça va là-bas. Donc voilà, une belle petite Pokébox vide avec la carte qui va avec. Hop, et donc c'est parti pour l'ouverture des boosters de cette Pokébox. Donc je vous montre un petit peu le dos, voilà. Et donc c'est parti pour l'ouverture du booster ciel rugissant. Là. Il est bugué ou quoi? D'habitude les codes sont à l'envers, voilà, je vous le donne. Hop, ça va, ça part à la poubelle. Hop, 1, 2, 3, 1, 2. Pour mettre la rare et la reverse en dernier. Et c'est parti avec un petit mini Draco. Tranquille. Un sépia top. Voilà. Un atu. Encore un atu. D'ailleurs, dites-moi quelle carte vous préférez. Si vous préférez la Half Art ou très antique. Ou alors si vous préférez celle-là qui est plutôt normale. Moi, j'aime celle-là. Voilà. Après, il y a un Togepi. Un Déflaisant. Un Électrode. Un Altaria. En reverse. Un peu comme une reverse, un Togetic. Et pour finir, un Zekrom holographique. Voilà. Qui est à l'échange car je l'ai déjà. Voilà. Les intéressés, manifestez-vous.
C'est une très belle carte, n'empêche, hein? Voilà, regardez-moi ce détail. Effrayant, effrayant. Hop. Et donc c'est parti avec un booster rupture turbo. Je pense que c'est la première fois que j'ouvre du rupture turbo sur ma chaîne. Je ne suis pas sûre. Je crois, oui, je suis presque sûre que c'est la première fois. Là, rupture turbo qui n'est pas une collection qui m'intéresse particulièrement. Mais si j'ai une ultra, ça ira chez mon copain qui lui collectionne les ruptures turbo. Et donc, c'est parti avec un soporifique. Un Ramolos, avec derrière les petits quantons. Un Mélophé. D'ailleurs, cette carte, elle me fait un peu peur. Ce style d'image que je suis pas fan. Enfin, c'est joli, mais ça fait peur. Après, il y a un petit Psychoquack qui fait nettement moins peur. Désolée pour la voix, je viens de sortir de maladie. Et donc, ça me gratte encore un peu dans la gorge. Brocélome. Flagados. Croix-Porale. Loclas. Ah tiens, j'ai jamais remarqué, il y a un nageur là. Vous croyez que c'est Ondine? On dirait Ondine. Je ne suis pas sûre. En reverse, un Lixie. Et pour finir, un Drascore en rare. Voilà, voilà. On termine donc avec les deux boosters de Mega Scizaiox. Voilà. Allez, voilà. 1, 2, 3, 2. Et c'est parti avec un Monorpal. Un Lixie. Fluvetin, avec un beau coucher de soleil derrière. Je suis fan de cette carte. Vraiment jolie. Shaglam. Encore un Ramolos. Carmash. Célébration nocturne. Oh, joli. Joli, joli. Troisième œil du kinésiste. En reverse, ceinture furie combative. Et pour finir, ouh, elle est trop belle! Waouh, Scizaiox X, magnifique. Oh là là. Oh là 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 là. Maudit rhume. Mes jolies cartes. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Des protège-cartes quelque part. Voilà, petit Pikachu. Allez, hop, voilà. Voilà, voilà. Très joli. Je suis contente. Je suis contente. Là, la carte elle ira là. Et donc, The Last Booster. Le dernier booster de cette ouverture. Voilà. Le code. Hop. 1, 2, 3, 1, 2. Et c'est reparti avec un petit coquillasse. Un Monorpal. Oups, pardon pour la caméra. Donc un Monorpal. Un Chamallow. Un Psystigris. D'ailleurs, beaucoup de gens disent que ce Pokémon fiche les jetons. Enfin, qu'il fait peur. Moi, je le trouve mignon. Je ne vois pas en quoi il fait peur. Il a juste des gros yeux globuleux. Mais à part ça, il est mignon. Caninos. Très belle carte. Ouh, Vallée inversée. Waouh. Waouh, très joli. J'aime bien les cartes, on dirait presque des full art. Waouh. Et les câbles. Énergie spéciale, énergie, éclaboussure. Ouh, Amphinobi Turbo. Waouh! J'ai rarement des turbos, mais voilà, elle est belle. Elle est pas mal. Et pour finir, Noacier en rare. Voilà.
Voilà, voilà. Alors, protège-carte, protège-carte. Voilà notre protège-carte pour la carte turbo. Hop, voilà. Voilà, voilà. Et donc, ça va clôturer notre ouverture d'aujourd'hui, de cette Pokébox. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une ultra, une turbo. On a eu la belle carte promo de Mewtwo que je vais mettre sous... Bah, on va le faire maintenant, tiens. On va prendre... j'ai un trou de mémoire. Comment ça s'appelle encore? Là. Pour mettre les cartes. Pour les protéger. Ça s'appelle des top loaders. Voilà. J'avais un trou de mémoire, c'est des top loaders. Voilà. Donc ma belle carte dans son top loader. Voilà. Les deux cartes qu'on a piochées tout à l'heure. Et puis on a eu ben, la belle boîte. Tiens. La jolie boîte. La Pokébox de Mewtwo. Et voilà, c'est sur ça qu'on va clôturer l'ouverture. Je vais, comme la dernière fois, vous demander qu'est-ce que vous préférez que j'ouvre. Alors, qu'est-ce que j'ai à ouvrir? J'ai une display Pokékyun. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah, j'ai ceci. C'est des charms géants. Et la dernière chose que j'ai encore à ouvrir, c'est ceci. Enfin, à ouvrir, c'est plutôt à construire. C'est une maquette de Trioxydre, Diamat et Solochi avec un petit Pikachu. Donc dites-moi ce que vous voulez que j'ouvre. Il y a donc la display Pokékyun, les charms Steve et la maquette de Trioxydre. Votez dans les commentaires. Et donc voilà, on va vraiment clôturer cette fois-ci. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, un petit commentaire pour donner vos avis. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais donc de gros bisous, mais pas trop, sinon vous tombez malade comme moi. Et ben... bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances de Pâques et je vous dis à la prochaine. Bye bye.